Le thème que nous avons étudié au cours de ce mois est la colère. Et aujourd'hui, nous allons voir la méthode inductive de la vigile. Qu'enseigne ce verset? Notre texte d'étude de ce mois se trouve dans Luc 9, les versets 53 à 56. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bout. Nous assistons ici à un échange entre les disciples, plus précisément Jacques, Jean et Jésus. Face au refus d'être reçus, Jean et Jacques se mettent en colère. Une colère qui peut sembler légitime. Ils accompagnent Jésus, le Messie, celui qui devrait être aimé de tous et reçu par tous, comme cela lui revient de droit, en tant que roi des rois. Néanmoins, ils font face au refus. Quel affront cela a dû représenter pour eux? Ils proposent donc à Jésus la résolution du fruit de leur colère. Celle-ci est de prononcer une condamnation sur cette ville, afin que ses habitants soient exterminés. Jésus de leur répondre qu'ils n'ont pas conscience de l'origine de l'esprit qui les anime. La traduction parole de vie nous rapporte les paroles de Jésus de la manière suivante. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Bien qu'ayant fréquenté Jésus pendant près de 3 ans, ils n'ont pas encore saisi le sens de son ministère. Que m'enseigne ce verset? Jésus se tourna vers moi et me réprimanda en me disant « Rémi, tu ne sais de quel esprit tu es animé, car je suis venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Quel est le message de Dieu pour moi par ce texte? Je fais face régulièrement au sentiment de colère. Celle-ci peut me pousser à faire des choses ou dire des choses qui peuvent blesser les autres. Tout comme les disciples, Jésus me réprimande en me disant que ce n'est pas son esprit qui anime cette colère. Il est venu pour sauver les hommes et non les condamner. Quelle application puis-je faire de ce verset? Seigneur Jésus, mets tes sentiments, tes pensées et tes mots dans mon esprit et mon cœur, afin que je ne puisse plus me laisser envahir par la colère lorsque je me dispute avec mon frère ou lorsque je fais face à des situations où je pense être injustement traité. Face à ces situations qui peuvent être compliquées à gérer pour moi, mets ton amour et ton esprit en moi. Amen.